Salomo. Salomon, Salomon, j'espère que vous allez bien. Partagez le lien. Partagez les liens. Shalom, Virginie Nato. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Que faire pendant le confinement? Oh, gloire à Jésus. Marebro sataba shata. Loso ribe kotaba. Brado. Que faire pendant le confinement? Nous allons parler. Tu sais que Dieu va nous faire du bien. Partage cette vidéo. Invite les gens. Dites-nous dans quel pays vous nous suivez. Dites-nous dans quel pays vous nous suivez. Alors, invite tes amis. Que faire pendant le confinement? Vous me suivez à partir d'où? Est-ce que le son est bon? L'image est bonne, j'espère. J'espère que l'image est bonne. Shalom. Hey, Shalom Dorcas, Wetchikoy. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai fait un live, donc du coup j'ai perdu les habitudes. Vous allez vraiment m'accorder une, deux minutes, question de me remettre dans le mode live. Alors,
Invitez vos amis, évitez vos amis. On va commencer bientôt. Ça sera juste 8 minutes, j'espère. Alors, qu'est faire pendant le confinement? On en parle. Coronavirus, salut Cosby, invitez vos amis, partagez cette vidéo. Voilà cette vidéo. Qu'est faire pendant le confinement? Alors, en Europe, on a confiné les gens. Au Congo, on est presque dans un confinement aussi. D'abord, le coronavirus. D'autres disent que ça vient du diable. D'autres disent que c'est un fléau que Dieu a envoyé pour frapper les gens. Il y en a qui disent que c'est fabriqué par les hommes pour tester ce que sera la marque de la bête. Alors, il y a plusieurs théories que je respecte d'ailleurs. Beaucoup d'hommes de Dieu en ont parlé. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais lire un verset. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire un verset. Et c'est sur ça que moi, je vais me baser. C'est sur ça que moi, je vais me baser. Est-ce que vous y êtes? On peut ouvrir nos Bibles, c'est bon. Si c'est bon, faites-moi signe. Faites-moi signe. Je vais voir si vous êtes là. Je vais voir si vous êtes là. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Si quelqu'un peut écrire ça, Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. D'accord. Ça m'encourage. Luc 18, verset 8. Partagez vraiment ces vidéos. Cette vidéo. Alors, je vous l'ai dit. Hilaire fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous l'ai dit, Hilaire fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, pourquoi j'ai pris ces versets? Et si vous regardez les titres, nous avons dit, que faire pendant les confinements? La chose que tu dois savoir, que tu dois faire pendant les confinements, c'est ne pas perdre la foi. Ne pas perdre la foi. Tu ne peux pas perdre la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Observez les règles d'hygiène, c'est bon. D'ailleurs, je vous exhorte, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça, sur mes pages, sur WhatsApp, même dans notre chaîne de télévision Parole TV. On a fait plusieurs vidéos pour sensibiliser les gens, chez nous au Congo ici, en répondant à l'appel du chef de l'État. Mais il y a une chose que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme on gribe du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas la foi. La prière de Jésus pour Pierre, c'était de ne pas perdre la foi. Parce qu'il savait que les temps difficiles viendront. Il savait que Pierre qui marche avec moi, Pierre qui est pratiquement le chef des disciples, Pierre qui est avec moi partout, sera tenté, sera criblé comme des froment afin d'arracher sa foi. La situation vient pour arracher la foi. La situation vient pour déranger ta foi. Et moi j'ai pris aujourd'hui, tu ne perdras pas ta foi. J'ai pris que tu ne perdes pas ta foi. Je me range du côté de Jésus. Quand il dit à Pierre,
J'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas la foi. Bien aimé, écoutez, nous passons des temps difficiles. Nous passons des temps où nous sommes obligés de rester à la maison. Nous passons des temps où nous ne pouvons pas sortir. Nous passons des temps où nous ne pouvons même pas visiter nos familles. Nous passons des temps pour certains qui ne peuvent même pas aller au travail. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est la foi. Que tu ne dois jamais, jamais perdre, c'est la foi. La foi, c'est ce qu'il ne faut pas perdre pendant le confinement. Oui, nous avons des cultes live. Nous avons plusieurs cultes qui se passent. Nous avons plusieurs mesures qu'on a prises. Mais a-t-on pris une mesure pour que nous perdons pas notre foi? A-t-on pris une mesure pour que nous perdons pas notre foi? Parce que tu dois savoir, malgré toute chose, il y a un après cela. Il y a un après cela. Vous savez, ma lecture de ce coronavirus, quelle que soit son origine, mais l'un des motifs, c'est arracher notre foi. Je vois beaucoup de gens attaquer l'église sur les réseaux sociaux. Je rigole, mais je m'énerve aussi en tant que prophète. Je vois beaucoup déjà des gens dire du n'importe quoi sur l'église. Mais je vais vous dire, si aujourd'hui, je parle de mon pays, le Congo, même dans le monde, il n'y a pas une grande catastrophe. C'est vrai, il y a des morts. Si aujourd'hui, nous n'avons pas touché les bouts, c'est parce que l'Église prie. Si aujourd'hui, nous respirons encore, si aujourd'hui, nous pouvons avoir le téléphone, réseaux sociaux pour faire des lives, c'est parce que l'Église prie. Si tu peux encore me suivre, c'est parce que l'Église prie. Ne négligeons jamais l'Église. David Oyelepo a dit, l'Église est le dernier espoir de l'humanité. Lorsque tout le monde est arrêté, lorsque la science a fait ses limites, l'Église reste le dernier espoir. C'est comme ça que Pierre a dit, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle, à qui irons-nous? Vers qui irons-nous? Vers qui garderons notre foi? Vers qui allons mettre notre sort? Si ce n'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je déclare aujourd'hui que la vie éternelle sera ton partage. Je déclare aujourd'hui que tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare aujourd'hui, tu t'attaches à Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La peur, c'est vrai, est venue. La peur est venue nous attaquer. La peur est venue nous déranger. Mais laisse-moi te dire, je vais lire un verset que vous connaissez aussi. Oh, mazo brade shakata baba. Namazo to brade shama mama. Azato papa si broda baba. Est-ce que vous êtes là? Oh, ndamasa baba. Oh, zabro de bobo. 2 Timothée 1, 7 dit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Ah, c'est là que je vais venir. De force, d'amour et de sagesse. Il y a 3 choses ici. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Et dans l'autre version, on dit de force, d'amour et de prudence. Ah oui, 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de prudence. J'aimerais exploiter les 3 choses avant que nous concluions. J'ai dit que je ne vais pas traîner aujourd'hui, car nous ferons vraiment plusieurs lives désormais
pendant cette période de confinement pour que vous gardiez votre foi. Nous ne voulons pas que tu perds ta foi, nous voulons que tu gardes ta foi. Il y a trois choses que Dieu dit ici, que l'apôtre Paul dit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. La première des choses, tu dois prendre conscience, quand tu es un homme de foi, tu as la force. Ah oui, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. J'ai pu vaincre le coronavirus, j'ai pu vaincre la maladie, j'ai pu vaincre la mort par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13 dit, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. Et l'apôtre Paul dit clairement à Timothée, tu as reçu d'abord la force. Nous avons la force. En tant que chrétiens, nous avons la force. Nous avons une force en nous que nous ne pouvons pas ignorer dans ces temps ici. Et là, je parle de la force pour que ta foi ne tombe pas. Que tu ne vois pas le nombre de morts monter et que ta foi se perde. Que tu ailles chez les féticheurs, chez les sangomas, comme on dit en Afrique du Sud. Que tu ailles à gauche, à droite. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que tu gardes ta foi en Jésus. Car à part Jésus, il n'y a personne qui peut nous faire sortir, excusez-moi le terme, de ces pétrins. À part Jésus, il n'y a personne qui peut nous faire sortir de ces pétrins. À qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Or, nous savons que la parole crée. La parole crée. La parole provoque un changement. Et sur la parole de Jésus, sur cette parole, le coronavirus va disparaître. L'abrazotoba, ça va disparaître. Que faire pendant le confinement? Nous devons nous renforcer. Ces moments de confinement doivent être un moment où nous renforçons dans la prière. Nous avons reçu un esprit de force. Nous nous renforçons dans la prière. Nous construisons les muscles de la prière. La prière devient de plus en plus forte en nous. La prière nous fortifie. La prière nous rend puissants encore. Car nous n'avons pas reçu de Dieu. Il a dit ici. Il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Tu as la force. Et la deuxième des choses, c'est l'amour. Ah oui. Ces temps ici de confinement, nous devons développer encore notre amour. Notre amour pour Dieu, notre amour pour les prochains. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mourir à côté de toi. Tu ne peux pas être inconscient à ce niveau. Parce que si on te donne les règles d'hygiène, on te dit « lave tes mains ». Bien que tu as la force, mais tu as l'amour du prochain. Parce que tu ne peux pas être un élément de contamination. Tu dois agir avec amour. Tout ce que nous faisons comme chrétiens, nous devons agir avec amour. Tu ne peux pas violer les règles de la République parce que tu te crois X-Or, tu te crois Robocop. Non, tu dois avoir l'amour du prochain. Tu dois avoir l'amour de la personne qui vit à côté de toi. Tu dois avoir l'amour des personnes qui travaillent à l'hôpital. Tu dois avoir l'amour de l'environnement. Tu dois avoir l'amour pour que le coronavirus ne passe pas chez toi. Ce qui brise les règles de la République, ce qui défie les lois, les instructions données par les chefs de l'État, ce sont des personnes qui manquent d'amour. Si tu es chrétien et tu dis au nom de la foi que tu vas briser les règles que l'autorité a établies, alors tu manques d'amour. Ah oui, parce que tu as la force, mais deuxième chose, tu as l'amour. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Ah oui. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Et ma prière aujourd'hui, que ton niveau d'amour augmente. Ton niveau d'amour augmente. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo car il y a des personnes qui doivent écouter cette vidéo. Partage cette vidéo. Nous avons reçu un esprit d'amour. Nous avons reçu un esprit d'amour. Tu dois aimer Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Le coronavirus est venu pour te dire dans 2 Timothée 1:7 que tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Tu es fort car Jésus-Christ est avec toi, tu ne vas pas mourir. De Dieu, l'esprit d'amour, tu les fais par amour. Tu agis, tu observes les règles d'hygiène par amour, d'abord pour toi-même et pour ton prochain, et surtout pour Dieu. Car l'être humain a été créé par Dieu. Mais regardez maintenant là où je vais chuter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit l'Église est impuissante. Il y a plusieurs personnes qui ont vilipendé les pasteurs.
qui ont dit que non, nous sommes à l'affût de l'argent. Parce qu'ils voient les M-Pesa, les Orange Money, les Macabo Church, tous ces moyens de donner les offrandes. Il y a une frange de personnes qui sont montées pour critiquer l'Église. Je vais vous dire la troisième chose. Vous dites que l'Église doit ouvrir, ne doit pas fermer. Vous dites que l'Église doit défier les lois de la République. L'Église n'est pas comme ça. Car on ne peut pas défier les lois de la République, on ne peut pas ne pas obéir. Car nous avons reçu un esprit de sagesse. Ah oui, dis avec moi sagesse. Nous avons reçu un esprit de sagesse, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et d'autres versions parlent de la prudence. Nous avons reçu un esprit de prudence. Un esprit de prudence. Un esprit de prudence. Un esprit de prudence. La Bible dit clairement que nous avons reçu, dit à Timothée, trois esprits. Esprit de force, d'amour et de prudence. Alors, en termes de sagesse. Et la sagesse veut que nous agissons avec un bon sens en tant que responsable. Tu ne peux pas obliger Dieu à faire un miracle. Non, Dieu fait un miracle quand il le veut, lorsqu'il le veut et surtout lorsque tu restes dans sa volonté, dans ses écritures. Nous ne parlons pas d'un miracle imprévu ici. Nous parlons d'un miracle qui se fera dans la volonté de Dieu, par nos prières, mais pas par notre attitude suicidaire. Non, non. Respecte, sois prudent. Tu n'as rien à faire dehors, reste confiné. Prie, médite, prends ce temps pour développer ton intimité avec Dieu. Et surtout, prends ton WhatsApp, prends ton Facebook, fortifiez-vous les uns les autres. Que la foi ne disparaisse pas. Que la foi ne disparaisse pas. Sois prudent. Tu n'as rien à faire dehors. Tu restes à la maison. Lave les mains. Ne t'approche pas à plus d'un mètre d'une personne. Observe toutes les règles du COVID. C'est comme ça que l'Église doit être équilibrée. L'Église n'est pas une Église bête. L'Église n'est pas une Église rebelle. L'Église, elle est équilibrée. Et c'est l'Église qui va donner la solution.